tu restes là. Ah oui, si tu les défends, tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien là que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes soeurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule chaque fois qu'on a... Gardien de la paix, tu sais que c'est bien mal que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes soeurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit. En construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Regarde comme tu es bien plus armé que nous. Avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses, si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes soeurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes. Salut les copains, merci d'être venus. On est là. Ouais, je m'appelle Sande, je fais partie des personnes du 89 qui ont fait le déplacement à Sainte-Soline. Il y en a d'autres parmi nous et je les invite à venir prendre la parole. Après moi, s'ils le souhaitent, pour partager leur expérience. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont fait le déplacement d'avoir un petit peu nos diverses opinions. Parce que moi, personnellement, le dimanche matin, j'ai discuté avec trois personnes qui étaient dans le même cortège que moi et on avait trois histoires différentes. Moi, j'étais arrivée à 5 mètres de la grille. Un copain était arrivé à la toucher. Mais alors moi j'étais arrivée à 5 mètres de la grille côté ouest, un copain avait réussi à la toucher côté sud et la petite copine qui était avec nous, elle avait jamais, juste même pas vu la bassine. Alors qu'on était tous dans le même cortège et pour vous dire un peu la taille de ce que ça avait. J'ai repris quelques infos parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant aussi pour vous. C'est des infos qui nous sont passées par les soulèvements de la Terre. Quoique Darmanin a demandé leur dissolution, ne sont pas encore dissolus et on a encore des canaux d'information, notamment pour tout ce qui est soutien juridique et soutien psychologique par rapport à ce qu'on a vu ce week-end. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir le bilan des opérations d'ordre public de la gendarmerie. Si vous êtes curieux, vous trouverez ça sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous apprendrez qu'en face de nous, il y avait 20 escadrons de gendarmes mobiles, 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 engins lanceurs d'eau et plus de 100 OPJ pour nous verbaliser sur le champ. Et il y avait aussi un peloton motorisé d'intervention et d'interposition, le PM2I que vous avez tous vu, c'est nos camarades de la Bravem sur des quads. Et il y avait un poste de commandement complet. Pardon ? Tout ça pour garder un trou vide. Voilà, tout ça pour garder un trou vide, on est complètement d'accord. Et le résultat de tout ça, c'est quand même 86 enquêtes judiciaires de flagrance, dont 20 en amont de la manifestation. C'est les copains qui se sont fait choper et confisquer leurs bleus, qui sont partis en garde à vue. Pour rigoler, on a quand même la LDH qui avait envoyé 18 observateurs qui, dans leur rapport, disait qu'il y a eu un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Et on l'a tous vu, le coût humain. Ouais. Ouais. Donc parce que des militants, pour l'essentiel pacifistes, essayaient de prendre un trou vide, on nous a balancé 4000 grenades en 2 heures. C'est une explosion toutes les 2 secondes pour vous situer le niveau de violence auquel on a été soumis.
On a eu 200 blessés. Ce sont les chiffres minimums fournis par les copains des soulèvements de la terre qui pensent qu'ils n'ont pas fini de faire le bilan tellement il y a eu de personnes blessées. C'est des personnes qui ont été soumises à des plaies délabrantes, soit parce qu'il y a eu des explosions à proximité, soit parce qu'elles se sont pris des coups de LBD. Ça va prendre plusieurs semaines à être soignées. Il y a 40 personnes qui ont été blessées gravement et pour lesquelles il y a un pronostic fonctionnel compromis. Certains d'entre eux ne marcheront plus, certains d'entre eux ne pourront plus utiliser un de leurs membres, certains d'entre eux ne pourront plus utiliser leur mâchoire, l'un d'entre eux ne peut plus utiliser son œil et on attend encore la réponse pour un deuxième éventuel éborgné. Et enfin, vous le savez tous, on a deux personnes dans le coma, deux personnes que les forces de l'ordre ont salies en divulguant leur dossier, en divulguant leur dossier comme si le fait d'être fiché S justifiait qu'on nous tire dessus. Il y a aussi trois journalistes qui ont été blessés, dont deux qui ont dû être évacués sur le champ. Je pense que vous avez vu, mais au cas où je donne l'information, la famille, les familles des deux personnes dans le coma ont décidé de porter plainte pour tentative de meurtre, entrave volontaire au secours et violence et violation du secret professionnel par rapport à la divulgation de leur dossier. Voilà. Ça, c'est les informations, les dernières informations qu'on a eues sur le canal. Pour ce qui me concerne, je pense que je reprendrai la parole après les témoignages des copains, s'il y a d'autres personnes que moi qui ont envie de parler. Parce que j'ai envie de vous parler des choses positives, des soulèvements de la terre. Donc du coup, je pense que ceux qui ont besoin de soulager un peu leurs émotions viennent s'exprimer. Et puis après, moi, je vous raconterai comment on a réussi à faire des choses un peu positives. J'ai deux Sainte-Soline à vous raconter. Le Sainte-Soline joyeux, positif, festif. On a rencontré plein de gens bien, plein de jeunes. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Il y avait un bus qui venait de Strasbourg avec des gens déjà d'un certain âge qui sont venus, ils sont repartis aussi. Enfin, moi, j'ai vu plein de choses gaies, drôles. On a ri, on a beaucoup ri. Et puis après, ben, y a eu ce déferlement, ça tombait de partout. Nous, on n'était pas en première ligne, mais n'empêche que, ben, on bougeait parce que ça tombait. Je vais oublier de vous dire plein de choses, hein, ça c'est sûr. C'était le lendemain, enfin quand je suis rentrée chez moi, le lendemain matin, c'était un peu... je me sentais schizophrène, j'avais ce côté tellement joyeux. Et puis tout ce qu'on a vu, toute cette horreur. Et oui, pour garder un trou vide, ça n'a pas de sens, quoi. Y a des copains manifestants, après quand on repartait regagner nos voitures, il y a des copains manifestants qui ont eu leur pneu de crever. Je pense pas que ce soit la conf ou les soulèvements de la terre. Je pense même pas que ce soit la police. Je pense à plus à une grosse organisation agricole. D'accord. Ouais. J'ai un copain qui m'a dit que, parce que y a des vidéos qui circulent beaucoup, le vendredi il y avait un convoi d'agriculteurs de la conf qui se sont fait cracher dessus par ce gros syndicat agricole. T'as le droit de dire le nom. FNSEA, tout le monde a deviné de toute façon. Voilà, bon après on a eu un contrôle en repartant, un contrôle policier qui s'est très bien passé. Le seul petit truc rigolo, c'est que il y avait un des gendarmes qui avait un carnet, il a noté nos noms sur le carnet. Et comme on était 30 000, je me suis dit putain, s'il contrôle les 30 000, le carnet va être trop petit. Et puis voilà, on était crevés. Très très contente d'y être allée et on y retournera parce que c'est plus possible de ben en fait de pas y retourner parce que tous ces gens qu'on a rencontrés je le répète sans vous raconter d'autres choses aussi voilà moi je vais m'arrêter là et puis je suis contente de vous avoir raconté ça et puis bah si vous alors il y aura en discutant avec des jeunes enfin je pense que c'est des jeunes qui sont dans les soulèvements enfin peu importe. Il y aura encore vraisemblablement dans quelques mois autre chose. Donc voilà, si vous pouvez vous dégager pour filer vers l'ouest. Parce que c'est très très bien organisé. Hein. Ils sont vraiment très forts. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole ? Oui.
Oui, bonjour. C'est juste pour apporter une précision au niveau de la FNSEA, elle n'est pas seule, il y a la coordination rurale. Et c'est eux qui ont la chambre d'agriculture de Limoges, c'est la coordination rurale qui la tient. Et il y a eu un film une quinzaine de jours avant, 15 jours ou 3 semaines avant, pour nous expliquer un peu ce que le fonctionnement des bassines et surtout le fonctionnement de l'eau. Hein, parce que le problème des bassines, c'est qu'on prend de l'eau dans le sol, de l'eau potable, pour la mettre dans des bassines, et après elle partira à la mer. Elle ne retournera jamais au sol pour être bu plus tard. Et avant, au début de la projection du film, il y a trois personnes cagoulées qui sont arrivées et qui ont mis un ragondin, une pie, un canard, des pigeons, etc., qui ont lâché ça dans l'entrée du cinéma. Et après, ils étaient très fiers d'eux, ils se sont revendiqués, ils ont dit que c'était très bien, ils avaient réussi leur coup, ils avaient montré aux gens ce que c'était que que les animaux, quoi. Voilà, c'était... Alors c'est pour dire ça, il n'y a pas que la FNSEA, j'ai rien pour spécialement, j'aurais envie de dire bêtement, parce que c'est vrai que je suis représentant au comité SAFER, Confédération Paysanne, je suis le seul à OCR. Il y a un autre représentant qui est pour la coordination rurale et on travaille avec la FNSEA et la FDSEA, bien entendu. Et on n'a pas nos rapports sont relativement très bons. Voilà, alors, dans Lyon. Donc c'est pour ça, je ne veux pas non plus, c'est trop facile de crier après tout le monde. Il y a des gens, il y a des départements qui fonctionnent correctement. Voilà. Moi, merci. Je serai très court, je m'appelle Fab, j'étais également à Sainte-Soline. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu quelque chose qui était inédit pour moi. Qui m'a un petit peu perturbé, c'est de se retrouver face à des forces de l'ordre qui sont manifestement prêts à tuer. On était face à des gens qui étaient prêts à tuer. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement perturbant. Et quand ça tombait, effectivement, quand c'est tombé, au début, les grenades, bah, le vent était pour nous, quoi. Enfin, ceux qui étaient tout près des grilles, ils s'en prenaient quand même pas mal, mais bon, nous, un peu en arrière, on s'en prenait moins. Et après, quand les quads sont arrivés derrière nous, ben, ils ont pris à revers, bien entendu, hein, et donc on s'en prenait, il a fallu déménager. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont à deux sur les quads, il y en a un qui conduit, puis l'autre, on voit bien, hein, il est avec le machin, là, pour tirer. Et ça passe près, hein, il y a une copine, ça lui est passé très près. Après, on essaie de sauver les gens qui sont blessés, parce qu'il y a des grands fossés qui sont plus hauts que moi, là-bas, parce que normalement, il y a de l'eau. Mais là, il n'y avait pas d'eau, donc on descendait dans les fossés, quand on n'arrivait pas à atteindre le pont pour passer d'un champ à l'autre. On descendait dans les fossés, et il y a quand même des gars qui étaient blessés, et on a empêché, Luc, t'as entendu sur France Culture, le message là qui a été intercepté quoi, entre la police et les soignants, pour empêcher les soignants d'intervenir, quoi. Bon, comme d'hab, c'est déjà arrivé à Cluny, sur un copain, hein, une demi-heure après, on vient le soigner, il est mort, hein, on l'a tiré, un agriculteur de la conf. Et donc là, c'était pareil, on empêche les gens d'intervenir, et donc... je ne comprends pas comment ces êtres humains qui sont sur leur quad, là, qui arrivent dans notre dos, quelle gloire il y a à faire ça, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, je discutais à une manif avec un chef, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il commandait les jeunes CRS, et il me dit, moi aussi, je dis, nous, on défend la terre, là, on défendait l'eau, et vous défendez l'État, quoi, le gouvernement, enfin, le pouvoir, quoi. Et donc... Je lui dis, nous, on est agriculteurs, on est petits, on a envie d'avoir plein de petits agriculteurs. Mais il me dit, moi, mes parents avaient une ferme. Je lui dis, pourquoi vous n'êtes pas à notre côté? C'est pas assez grand pour que je m'installe. Mais on peut se contenter de peu, de petits, on peut vivre si on est beaucoup. Et je lui dis, si vous étiez resté agriculteur, vous seriez avec nous, là, aujourd'hui. Vous voyez, bon, il m'a rien dit, il a pas été brutal, hein. Mais c'est grave de voir ça, quoi. Les jeunes qui se sont fait démonter les pieds, qui... Bon, puis c'était à Bure aussi, c'est pour les gilets jaunes, c'est honteux, honteux. Voilà. Et en plus, quand on sait que leur bassine, bon, Luc a pas expliqué, mon agriculteur en retraite, dans leur bassine là, de je sais plus combien elle fait, 12, 16 ou 18 hectares, si on met de l'eau là-dedans, on voit bien dans notre patelin, ils nous ont obligés dans les mares à faire une réserve d'eau. Alors ça, c'est des gros, enfin, il y a des gens qui ont intérêt à vendre ça, des espèces de grosses bâches. Il y en a deux au patelin, et puis aussi la mare, elle a été condamnée. Mais quand on voit l'évaporation l'été dernier, combien elle fait cette superficie de mare? 20 cm en 10 jours de chaud. 20 cm en 10 jours sur une mare, elle n'est pas énorme la mare. Qu'est-ce qui va se passer sur les bassines quand il fera chaud? Ça va s'évaporer. Et puis quand ils vont utiliser ça pour faire leur maïs, là, parce que quand même ils ont réussi cet été à assécher des bouts du marais Poitevin, ça meurt.
Et puis la maraîchère qui, elle, a récupéré l'eau de pluie, elle était verbalisable. Donc je ne sais pas hein, si elle était verbalisée, mais bon, elle l'a dit. Donc elle est passée limite, elle a peut-être rencontré quelqu'un qui se mouille un peu du côté du pouvoir et puis qui a laissé pisser pour qu'elle arrose ses salades, pour qu'il ait à manger au marché le lendemain, le gars. Hein. Parce que tout le monde mange. Hein. Et donc cette eau, elle va servir à arroser des champs de maïs pour l'énergie. Mais il y a d'autres moyens pour faire de l'énergie. Hein. Et donc des champs de maïs qui sont traités. Et cette eau, après s'être évaporée, à être volée à tout le monde, elle va s'évaporer dans les bassines. Elle va être traitée avec des pesticides et elle va retourner dans les cours d'eau. Mais c'est ça la vie. Mais putain, qui aura le droit de boire de l'eau de merde? Mais c'est grave là, il faut le répéter. Et puis il faut savoir ce que c'est les bassines. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. On a des beaux-frères, enfin bon, ils ne sont pas à la Fédé, mais ils ne votent pas, donc c'est tout comme quoi. Quand on ne se prononce pas, on est d'accord avec la majorité. Hein. Il faut prendre la responsabilité de temps en temps. Et donc on a des gens qui savent pas ce que c'est, ils sont agriculteurs, merde. Nous on veut bien vous renseigner, on sait ce que c'est, quoi. On a même renseigné un mec des RT, parce qu'on dit plus les RG. Pardon, excuse-moi. On lui a renseigné, il savait pas ce que c'était les mégabassines. Mais renseignez-vous, bon sang. Renseignez-vous sur les déchets à Bure. Mais c'est vos enfants, c'est tout le monde, quoi. On n'est pas là pour s'amuser, on n'a pas envie. Et c'est pas vrai que les gars étaient là pour faire la guerre, c'est faux. Parce que quand on a eu le matin à 8h, quand on était au camp, nous on est arrivé dans la nuit du vendredi au samedi, quand on était au camp le matin, il n'y avait pas de violence. On n'était pas en violence. Fallait prendre soin les uns des autres. Voilà. À boire, à manger, soigner ceux qui étaient blessés. Il n'était pas question de violence. C'est une désinformation pas possible. Alors moi j'ajouterais, parce que je pourrais parler longtemps, tu parles des soulèvements de la terre, mais Darmanin il les a dans la ligne de mire, et c'est comme ça qu'on dit, je sais plus là, parce que j'en ai trop dans la tête. Et la conf, moi je suis les messages de la conf, hein, donc chacun est, voilà, et en fin de compte à la conf c'est exactement la même chose, allez voir sur la conf, c'est pas les soulèvements de la terre qui disent ça, mais alors Darmanin faut qu'il interdise la conf. Non, bassine, faut qu'il interdise plein de gens, quoi. Il ferait mieux de la fermer, je pense. On serait tranquille pour faire un vrai monde, pour tout le monde, même pour la police dont on a besoin de temps en temps. Parce que quand j'entends manif, on est contre les bassines, d'accord, mais on est contre la police, je suis pas d'accord. Parce que quand on a besoin d'eux, on est content de les trouver. Voilà, mais c'est des citoyens comme les autres. Vous avez le droit de savoir ce qu'on fait. Ce qu'on fait pour vous aussi. Sur les choses joyeuses, parce que je pense que les images immondes, vous les avez tous vues. Et si vous ne les avez pas vus, vous avez largement possibilité de les voir en ligne. Donc les choses joyeuses, c'est ce que disait la copine tout à l'heure, on était énormément. Nous, on est arrivés sur le camp le vendredi avec les convois qui accompagnaient les tracteurs. Et à ce moment-là, on nous disait qu'on était 5000, alors qu'eux, ils avaient espéré qu'on soit 2000. Le samedi, quand on s'est levé, moi j'avais l'impression qu'on avait doublé. Et après, au brief, on nous a dit qu'on était 10 000, donc ça correspondait à peu près. Et c'est vrai qu'il y avait, une belle unité. Et ce qui était pour moi personnellement un moment fort, c'est qu'au brief, le soir, il y a Julien Leguet, la personne qui représente Bassine Non Merci, qui était interdit de manifestation avec nous, a pris la parole. Et a dit qu'on acceptait les modes de lutte les uns des autres, qu'on ne jugeait pas la façon dont les uns et les autres souhaitaient se battre. Et en tout cas, moi, personnellement, ça fait 4 ans que j'attends de voir quelqu'un dire ça. Donc ça a été assez, assez fort. Quand elle parlait d'organisation démentielle, il faut savoir qu'on est parti avec les cartes. On avait tous une carte du coin. Ils nous avaient fourni des masques. On avait des FFP2 qui nous ont fourni. Les répartitions dans les cortèges dont vous avez dû entendre parler, Anguille Turquoise, Loutre Jaune et Outard de Rose, se faisaient par des tirages au sort avec des feuilles qui désignaient notre cortège. Parce qu'à l'inverse de ce que les médias vous ont dit, les différences entre les cortèges était la distance qu'on faisait pour aller à la bassine. Mais chaque cortège devait avoir une tonalité variée et des modes d'action variés, puisque eux, par expérience, savaient que même le cortège pacifique pouvait être confronté aux forces de l'ordre. Et on nous avait incité à essayer de nous répartir en fonction de nos différents modes d'action et de tonalités de risque dans les différents cortèges.
Il y avait deux sonos avec nous. Alors, c'est très con, mais moi, pour ma génération, c'est cool. Ils nous ont passé... Non, quand on a attaqué. Ah, la BO du Seigneur des Anneaux. Voilà, la BO du Seigneur des Anneaux pour la vague. Voilà. On avait aussi une bakoukada. Vous savez, c'est les fanfares qui viennent au front avec nous et qui sont gazés à peu près autant que nous. Donc ça aussi, chapeau. Chapeau aux gens qui ont porté les sonos, chapeau aux gens qui sont venus jouer avec nous. Donc moi, j'étais dans la outarde de rose, vous l'avez peut-être pas vu, mais on avait une structure avec nous, on travaillait à un espèce de bélier, une outarde, donc, qui est une espèce de oie qui est compromise par le fait qu'il y ait une méga bassine, c'est des bestioles de là-bas, quoi. Notre cortège a réussi à poser la outarde sur les grilles. Et en fait, c'est au moment où on a eu posé la outarde sur les grilles qui sont mis à nous canarder avec les grenades de désencerclement. Et là, en quelques secondes, on a commencé à entendre des médics partout autour de nous et à voir des gens tomber dans les champs visuels. Et même pas une demi-heure après, on nous demandait de se replier. Et on apprenait qu'on était dans l'attente d'une ambulance parce que les choses étaient vraiment compliquées. On a donc quitté les lieux parce qu'en fait, on vous a beaucoup parlé des deux urgences vitales et des personnes qui ont été évacuées, mais je vous ai aussi parlé d'une quarantaine de blessés. Il faut savoir que sur ces blessés, il y en a qu'on a été obligé de ramener au camp parce que les ambulances n'arrivaient pas à accéder. Je vous rappelle que le camp était à 6 à 7 kilomètres plus loin que ça. Donc on a ramené des gens qui étaient blessés aux membres au camp parce que c'était notre seule solution d'espérer les voir être pris en charge. Et même si c'est terrible, il y avait aussi une formidable solidarité dans ces moments-là où il a fallu soutenir dans la douleur. Et c'est aussi des choses qu'il faut retenir de Sainte-Soline. On a su affronter ça ensemble. On avait des briefs, on a eu des briefs vidéo et juridiques avant d'être invité à venir. On a eu un brief le vendredi soir, on en a eu un le samedi matin. À chaque fois, on nous donnait un petit peu plus d'informations ou de matériel. On avait tous des papiers avec les numéros des avocats et de la Legal Team. La Legal Team va fonctionner pendant 6 mois après le 25, parce qu'ils pensent qu'il pourrait y avoir des poursuites plus tard. On avait un pôle antisexiste avec des personnes qui, quand on a fait la fête, pour ceux qui ont été capables de faire la fête samedi soir et dimanche, il y avait des personnes référentes vers qui on pouvait s'orienter si on sentait mal à l'aise par rapport à une situation. Et bon, c'est des choses qu'on voit un peu régulièrement quand on a l'habitude de fréquenter ce genre de lieu. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que ça me concerne et que c'est la première fois que je voyais ça. On avait un pôle des validistes avec nous, dont le rôle était d'accueillir les personnes handicapées et de voir et veiller à répondre à leurs besoins. Nous avions donc dans le cortège avec nous plusieurs fauteuils roulants qui ont pu venir avec nous parce que nous, la outarde, on avait, comme je vous ai dit, un trajet facile et sur du bitume tout du long qui permettait à ces personnes de nous accompagner. Ouais, il y a des moments où on a coupé, mais tu avais moyen d'aller jusque... avec le fauteuil, et je pense qu'ils ont dû arriver près. Voilà. Et puis, on avait donc une base arrière psychologique qui nous fait beaucoup de soutien moral et qui reste ouverte pendant encore au moins 2 semaines. Voilà. Donc, comme disait la copine, les soulèvements de la Terre, c'est pas terminé. Là, en fait, Sainte-Soline ouvrait la saison 5 des soulèvements de la Terre. Je vous invite à vous renseigner. Il y a encore d'autres événements vers Toulouse dans le mois d'avril. Il y a d'autres événements dans l'Eure au début du mois de mai. C'est des événements liés au collectif La Route, les routes en déroute. C'est des collectifs qui luttent contre des projets inutiles d'autoroutes ou de contournements comme nous on a au CERF. J'ai rien dit.
Et vous pouvez y aller de manière un peu apaisée parce que c'est leurs premières actions. Et en désobéissance civile, on monte en tonalité. Donc si vous allez à la première action, vous serez dans des tonalités assez basses et plutôt sécurisantes qui vous permettront peut-être de voir si c'est un mode de protestation qui vous convient. Sachant que nous sommes sur un rassemblement non déclaré, que vous êtes donc tous des désobéissants avec moi, je suppose que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Je vous donne l'information. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Exprimer un soutien, partager une expérience, un ressenti quand ils ont vu les images, nous dire pourquoi il est ici ce soir, etc. Je vous invite à venir partager des choses avec nous. Ça fait aussi partie de nos mouvements, d'apprendre à nous parler, à nous connaître et à partager. Moi, j'ai fait ça sur des ronds-points super longtemps et c'est ce qui fait qu'on est encore là avec nos gilets jaunes, c'est de s'être causé. Donc venez, causons-nous. Je vais juste vous lire un message que j'ai envoyé à mon fils parce qu'il est parti... Voilà, à la préfecture de Rennes. Je sais qu'en Bretagne, c'est quand même un peu plus tendu. Il y avait beaucoup de Bretons, de Rennais d'ailleurs, à Sainte-Soline, donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de crispation. Et je disais, Julien, je ne lis pas le début, hein, mais putain, je te parle de vigilance pour aller à un rassemblement en France. Bordel. Et c'est insupportable d'aller à des manifestations, à des rassemblements, et de se dire, maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, et depuis Sainte-Soline, le matin, je me lève et j'ai envie de pleurer, et je suis très, très énervée. Voilà. Alors, un truc que j'aimerais rajouter, alors c'est une petite info, mais ça vous donnera quand même un peu l'ambiance qui régnait là-bas, par rapport à ce que dit Sand. Effectivement, il y avait des blessés qui étaient en urgence absolue et donc qui étaient intransportables par des moyens classiques. C'est eux qu'on a attendu l'ambulance. Et effectivement, il y avait, on va dire, des blessés intermédiaires qu'on pouvait véhiculer en voiture et que les gens, au départ, ont ramené au camp en voiture. Alors, c'est un petit détail dont ils n'ont pas parlé dans les médias, mais les premières voitures qui sont parties avec des blessés, les flics les ont bloqués. Ils ont bloqué les voitures avec des blessés dedans. Et la seule solution qui a été trouvée, parce qu'il y avait des élus qui étaient avec nous, ils ont fait un cortège où dans chaque voiture, il y avait un député, parce qu'il y avait plusieurs députés qui étaient avec nous. Et donc, ils mettaient un député et un blessé dans la voiture, et il n'y avait que comme ça qu'ils ont réussi à faire passer les blessés jusqu'à la base arrière. Qui souhaite partager quelque chose? Bien, bien. Approchez-vous, hein, ceux qui ont envie de partager. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre vous et moi, tout va bien. Bonsoir à tous. Bah, nous, ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes... Ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, on voit bien que quand le gouvernement est fragilisé, ils usent de la force. Aujourd'hui, on voit qu'on manifeste depuis fin janvier. Macron a perdu la bataille de l'opinion, il a perdu la bataille de l'Assemblée. Maintenant, il est en train de perdre celle de la rue parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde dans la rue. Les manifestations durent, les grèves durent. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que sa dernière cartouche, hein, si je peux dire, c'est la force. Donc c'est intimidation. On en voit de plus en plus, hein, des collègues arrêtés, voilà, qui sont arrêtés pour rien. Il y a eu une journée sur Paris, plus de 290 personnes arrêtées. 288 sont ressortis sans rien. Principalement des jeunes, mais pas que. Il y a aussi des arrestations arbitraires, mutilation. Alors ça, on le voit, on l'a vu, les gilets jaunes, vous êtes bien placés, hein, pour le savoir. On l'a vu ce week-end, c'était presque à son apogée, un seuil critique, mais on le voit dans les manifestations. Il y a un mec de Sudrail qui a perdu un œil, il y a une enseignante qui a perdu un pouce. Et c'est les cas qui ont été médiatisés. On voit à chaque manifestation les interventions de la BRAVEM qui... Forcément, ce sont des images insoutenables pour quiconque aime la démocratie. En ce moment, il y a une pétition justement qui demande la dissolution de la BRAVEM qu'on vous invite tous à signer, qui a déjà été signée plus de 200 000 fois. Donc enfin, on va pouvoir en parler à l'Assemblée de cette bande de voyous. Parce que là, c'est clairement un comportement de voyous. Darmanin donne les ordres. Comment ? Exactement, ce qu'on a vu en cow-boy, donc là sur les quads, vous l'avez vu à Sainte-Soline, mais là c'était insupportable. Et voilà, Darmanin est aux manettes, il recommence ce qu'il a fait en 2019. Et s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on arrive à les bouger enfin. Là on a un moment historique, on est prêt à les bouger, les manifestations sont prêtes à les faire bouger.
Et tout ça, ça tient plus qu'à un fil. Les manifestations durent, les grèves durent, ils commencent à douter. À l'international, il y a même des unes qui traitent Macron de stupide. Il s'isole, il est isolé, il est plus qu'isolé. Donc maintenant, c'est à nous de continuer dans nos manifestations, dans les grèves, dans les rassemblements. Et je pense que là, on est à un moment où on est prêt à gagner. Et franchement, je pense que sincèrement, on va les faire briller. On rappelle qu'on a 5 camarades qui ont été arrêtés suite à l'avant-dernière manifestation et qu'il y a 2 jugements à venir. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez aller les soutenir au moment de leur jugement. Merci. C'est un peu difficile de prendre la parole après ce qu'on a entendu. C'est vraiment très fort. Nous, on appelait à ce rassemblement parce qu'il nous semble que ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, c'est dans la ligne, dans la poursuite de ce que le gouvernement est en train de mettre en place après 7 ou 8 journées de mobilisation contre la réforme des retraites qui se sont relativement bien passées. Je pense que le gouvernement misait sur le pourrissement et puis quand il a vu que, on était toujours là et que même le combat changeait de dimension puisque après le 49-3, je pense que d'un combat pour des revendications sociales, une retraite digne qui permette de vivre dignement, de partir en bonne santé. Nous, au niveau du PC, on réclame 60 ans, d'autres se contentent du maintien à 62, mais peu importe, 60-62, mais en tout cas pas 64. De cette revendication-là, on est passé à des revendications beaucoup plus politiques au soir du 49-3, du recours au 49-3. Avec des jeunes qui se sont impliqués aussi en se disant le pays dans lequel on veut vivre, le pays dans lequel on doit vivre, parce que on habite en France, ça doit être un pays démocratique, ça doit pas être un pays où 9 personnes, parce qu'elles n'ont pas eu le courage de voter la motion de censure, décident du sort de 60 millions de citoyens. Et face à cette remobilisation, on pourrait dire, eh bien, le pouvoir a sorti la violence policière. Après la violence sociale, après la violence politique qui s'est jouée à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est la violence policière qui maintenant est de mise, en espérant, je crois, que les gens aient peur de descendre dans la rue pour exprimer leur colère et leur révolte légitime. Et moi, je crois que s'il y a un petit peu moins de monde dans la dernière manif, je pense que, alors pas tous, certains sont aussi un peu fatigués et ça commence à peser financièrement pour ceux qui étaient en grève, mais des gens qui venaient en famille, des personnes un peu plus âgées, qui ont peur de courir et de se retrouver pris dans une nasse, peut-être qu'ils sont pas venus, en tout cas dans les grandes villes comme Paris, c'est sûr que ça a fait peur. Et vraiment cette stratégie, on la voit, moi j'ai fait des manifs à Paris en octobre. On voyait pas les flics. Le préfet de police avait changé. On était passé de l'allemand qui était vraiment c'était le cinglé à Nunez, c'est ça. Et les flics étaient dans les rues parallèles. Il y avait des il y avait eu des beaux cortèges et on les voyait pas. Donc on manifestait tranquillement. Il y avait le service d'ordre syndical. Aucun souci. Et depuis la 9e mobilisation, la police est visible, très visible. Et je pense que ça renforce un petit peu le... Il y a déjà la provocation de Macron quand il nous dit qu'on est quasiment des Trumpistes ou des bolsonaristes à l'assaut du Capitole ou de Brasilia. Enfin, il nous compare à ces gens-là. Et quand on voit la police qui est là pour nous maintenir dans les rangs, je pense que pour certains, peut-être un peu excités ou ça déborde. C'est dommage, mais la révolte est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc on apporte évidemment notre soutien, que ce soit le combat écolo sur les bassines, que ce soit le combat social, on est de tous les soutiens aux victimes des violences policières et bien évidemment. Bonsoir. Moi c'est Simon, je suis pas d'ici. Je suis d'un petit bled, pas loin, et puis pas depuis très longtemps dans la région.
J'ai l'habitude, à 63 ans, fils de maquisard, d'être dans la résistance depuis toujours. Et au regard de ce que j'ai vécu, je pense qu'une réforme ou deux, ça ne va pas suffire. Que s'il doit y avoir une république, ce n'est pas celle-ci. Et qu'il faut une refondation complète des systèmes de pouvoir, de tout. Que ce soit d'une certaine vision de l'économie, de l'agriculture complètement, de la justice, de la police, et que, on va devoir pour ça se mouiller et abandonner, si on doit être vers quelque chose de plus égalitaire, on va y lâcher les plumes. Mais il faudra les lâcher. Il y a un livre qui est super, que je viens de finir, qui fait 750 pages de David Graeber, c'est « Au commencement, il était ». Il a récapitulé l'histoire de l'humanité en nous disant que le discours qu'on nous a vendu était un mensonge, et il le prouve. Il y a eu des tas de sociétés égalitaires qui comprenaient énormément de membres qui ont vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années sans aucun problème. Et puis, elles ont été balayées parce qu'un jour, un mec a pris le pouvoir et que voilà. Donc, en fait, le champ des possibles est immense. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Regardez les zapatistes au Mexique. C'est magnifique ce qu'ils font. C'est vraiment démocratique, quoi, au sens où dans chaque village, on décide des choses. Et ils ont l'informatique, ils ont l'ordinateur, donc on n'en est pas à la bougie, il faut arrêter les conneries. Donc c'est possible. Mais il va falloir qu'on veuille vraiment un autre monde et qu'on ne se contente pas de se faire endormir par quelqu'un qui nous promette... voilà, il va falloir dépasser nos croyances, quelquefois les partis et les syndicats. Il va falloir qu'on pousse tous ensemble. Moi, je m'en fous, ma vie, elle est faite. Hein. Des éco-terroristes. J'ai trouvé sur le blog de Mediapart un texte d'un universitaire qui s'appelle Pascal Maillard. Je reviens de Sainte-Soline. Je reviens de manif, je reviens de contrôle d'identité, réquisition du procureur. Je reviens d'une manifestation où les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ressemblent aux observateurs des droits fondamentaux dans ces pays lointains où ces droits sont bafoués quotidiennement. Je reviens de ce territoire absurde où l'on peut masser 3000 flics pour protéger un cratère pensé pour que quelques-uns s'accaparent l'eau de tous. Je reviens d'un lieu où l'État montre son visage, comme il le fait dans les banlieues ou dans les stades depuis Ben Lurette. Je reviens, et tu ne reviens pas, et tu ne reviendras d'ailleurs peut-être pas. Reste avec nous. Il y a ton corps qui se convulse dans les bras des médics. Il y a cette femme médecin qui appelle le SAMU au téléphone. SAMU qui ne vient pas. Car ta vie importe peu, visiblement. Il y a ces médecins militaires, équipés, mais pas pour nous, qui sont à côté, de l'autre côté de la ligne, des médecins pour prendre soin des sbires de l'État, du capital et du cratère. Ils finiront par arriver près de toi, peu avant le SMUR. Reste avec nous, disent toutes ces voix, pour que tu te raccroches à la vie dans cet univers nécrophile. Et je les entends, car nous faisons un cordon autour de toi, deux, pour que les premiers secours ne soient pas troublés par la terreur alentour, les grenades qui pleuvent, les manifestants tranquilles, apeurés par l'irruption des flics sur quad qui déboulent à revers sur la manif, plein de grenades et de gaz, encore. Parce que pour nous, c'est la vie qui est à protéger. Reste avec nous, camarades. Je reviens en souhaitant que le respect du vivant soit intégré à nos luttes, à nos modes d'action, et que la nécrophilie de l'époque ne nous gagne pas, que le romantisme de l'émeute n'égare pas la jeunesse dans les bras de la police, parce qu'ils sont prêts à tout pour préserver les privilèges de quelques-uns. Nous devons être prêts à tout pour protéger la vie, les nôtres, la tienne. Reste avec nous, camarades, que nos larmes ne remplissent pas leurs bassines. Bravo.